Salut mes petits niglots, comment que ça va? Donc là, ce matin, on est tranquille avec Steph. Les nains de jardin sont à l'école. Et je me suis dit, tiens, je faisais un petit moment que j'avais pas fait une soupe et avec tout ce qu'on a eu à la récup, tout ce qui reste du jardin, les oignons, le potimarron et les poireaux de la récup, je dis, tiens, je vais faire une grosse gamelle de soupe. Ouais, les patates du jardin de l'année dernière. Vu qu'on va bientôt rattaquer, il faut commencer à finir. Et je suis content parce que il y a des patates qui tiennent encore. Vous voyez, de les avoir oubliées et de les avoir récoltées un mois après la date. Enfin, après la date, après ce que j'aurais dû les récolter normalement, un bon mois après, ben, ils tiennent le coup, même les oignons, les amis. Les oignons, on est au mois de février et ils sont encore. C'est la première fois que ça m'arrive. Bon, ils sont pas gros, mais c'est la première fois que je les garde aussi longtemps. Du coup, là, on va se faire une bonne soupe. Après, je vais toutes les pommes qu'on a récupérées, ceux qui n'ont pas vu dans une dernière vidéo, il y a quelques vidéos, bah, je vous invite à aller voir en arrière, ou je vous la mettrai dans la description. On a fait une belle récup dans une poubelle de magasin, dans les poubelles d'un magasin. Et du coup, il y en a quelques-unes qui commencent déjà à se gâter, donc je vais faire une grosse compote et tout après. Et puis voilà. Pas de gaspillage. Ça nous fera de la soupe pour 3-4 jours, compote pour 3-4 jours. Et après ça, on fera ensemble. Je vais mettre le lot de capsules en vente sur eBay aux enchères et tout ça. Je vais déjà faire ma petite soupe, la faire mijoter. Ça fera du bien parce que je peux vous dire que d'or ça recaille. Alors... Ouais les amis, je commence encore. Je commence toujours la cuisson à la gazinière parce que ben, le pot à la bois qu'on a là, c'est plus comme la cuisinière qu'on avait dans l'autre maison. On va dire que c'est bien pour faire mijoter, mais... Ça va pas bien pour faire une cuisson comme ça au début. Donc au début, en général, je commence comme ça. Et après, je laisse mijoter sous le pot à bois. Après, deux bouillons de poulet et un pécard, du sel, du poivre, c'est pas compliqué. Ça, c'est les gamelles qui font plaisir, ça, les amis. L'hiver, comme ça, quand ça caille, qu'il fait froid, vous travaillez l'or à l'humidité, là. Vous rentrez 5 minutes, vous mangez même n'importe quelle heure de la journée. Petite tasse de soupe avec une petite pointe de crème, là. Magnifique. Hop. Je vais laisser commencer à mijoter tout ça. Dès que ça boue, eh ben, je vais mettre ça sur le poêle à bois. Et du coup, bah, une bonne petite soupe quasi gratos. Voilà, il n'y a que les deux bouillons de poulet à la rigueur que je crois même pas qu'on a acheté parce que c'était une grosse boîte qu'on nous avait donné, un gros lot. Donc APCOP, jardin, récup. Et puis c'est tout. Vous voyez? Et puis de la soupe, ça prend pas longtemps à faire. Ça, c'est un truc que j'adore faire, moi. Du coup, là, je vais m'attaquer. Bah, vous voyez? Alors, on a le bac de pommes que je vous avais montré aussi dans la récup qu'on avait fait. Puis on a les bananes qui commencent à arriver à terme. Et du coup, bah, je vais passer un maximum de pommes qui commencent à être gâtées avec les bananes. Et puis du coup, bah, ça fera une compote pour ça fera une grosse gamelle de compote pour 2-3 jours. Pommes bananes, quoi. Impeccable. Enfin, 2-3 jours.
Avec Miguel, ça peut pas aller plus vite que prévu. Voyez, donc les citrons et les oranges. Ça, Steph va peut-être voir pour faire des sorbets. Et puis, si elle vient faire ça, là, une machine à sorbets, ben, je vous montre, on vous montrera ça. Et puis, c'est tout, quoi. Allez, go, je fais ma compote, moi. Oh, c'est la fête, ici. C'est la fête. Attends. Regardez-moi ça. C'est con que vous avez pas l'odeur, mes petits nigelots, parce que là, je vais me régaler, moi, à midi. Elle s'est fait des vieilles nouilles chinoises, là, alors que je lui ai fait de la bonne soupe. C'est quoi, ça? Hein? Bah oui, c'est vrai. Mais il est déjà 13h, là. Je me rappelais plus que c'était aussi long de faire de la compote. Après, c'est que t'es pas obligé de les éplucher. Aussi. Bah si. Moi, des fois, mon père faisait de la compote avec la boue. Il retirait juste l'intérieur, les pépins, le trognon et tout. Ouais, mais là, elles ont toutes des chiquettes et tout, là. Bon, oh, bah, c'est meilleur épluché que avec la peau. Non, bah, c'est rien, ça va se faire tranquillement. Hein. De toute façon, je vais pas tout faire, hein. Je vais en garder. Hey, j'aurais dû faire ça demain, ils ont pas école demain. Ah ouais. Bon allez, je continue ça moi. Vas-y, tu peux remettre ta musique. C'est bon. Écoutez ce que je supporte les amis. Ouais, mais Rogis, c'est plus Renault et tout ça. Et qu'on t'emmène là-bas, oublier tout ça, les coups. Elle entend le bruit d'une gamelle, elle lève la tête direct. Oh les amis, il y avait les kiwis avec, je les ai passés avec. Hop, banane, kiwi, pomme. Hop. C'est quoi le gros truc vert? Hein? C'est quoi le gros morceau vert que j'ai vu? Les kiwis. Hein? Le sucre. C'est quoi que je faisais? Ben quand je faisais le gaz. J'ai voulu prendre la luge, je t'ai dit la porte elle s'est déboîtée. Tu fieras après. Et puis c'est tout ça. Non. T'as mis un peu d'eau? Faut mettre de l'eau, on en fait plus. Mais. Attends, on va regarder. Ouais, non, ça va fondre. Je crois que tu dois mettre un peu d'eau. Mais je suis pas sûre. Oh, pote. Ça va être terrible ça. Merde. Une petite soupe. Voilà. Je vais mixer ça après. Puis moi je vais manger ça avec une petite tartine. Je vais finir mes nouilles. Hein? Donc là moi je vais mixer la petite soupe là. Petite tartine avec du fromage. Et puis. Ah, si j'en ai ramené. Et après on s'attaque aux capsules. Et puis aux collections de briquets. On met tout ça sur une bouse en chair. Bon, voilà les amis. On vous reprend après. On casse la croûte. On va danser. Non. On fait la chouille et puis on revient après. Ouais mais le problème les amis c'est que. Comment? Bah ça me dérange pas la musique qu'elle met, mais c'est qu'on n'a pas du tout le même style de musique et c'est assez compliqué non, des fois. Non. Oui j'aime bien. Monsieur n'aime pas les musiques, puis il est là en train d'éplucher ses pommes. Oui, non, mais j'ai pas dit que j'aimais pas. Ouais, ouais. Mais vous voyez, moi je suis plus du style Renault, 16, du bon métal, enfin des trucs comme ça. Au final, c'est complètement l'inverse. C'est musique qu'on écoute en soirée, ça. Oui, mais j'ai pas dit que j'aimais pas. Mais moi je préfère écouter un bon Renault. Un bon Renault. T'avais dit un bon Renault. Mais les amis, je l'ai tellement écouté Renault en étant jeune que je l'ai soumis, je crois. Ah, t'as mis le. Tu t'es. Toi, tu dis c'est un beau roman. Moi, j'étais en train de chercher la chanson qu'il y a dedans. Un beau roman. Tu viens de le dire. Tu t'es trompé, t'as dit c'est un bon roman. Mais non, un bon Renault. Non, avant, tu t'écouteras, t'as dit un beau roman. Ah bon? C'est pour ça qu'on peut le dire. T'aimes pas Renault? Ça dépend.
des fois quand on fait des soirées que pendant 2 heures on écoute Renaud 2 heures d'affilée. Donc ouais, c'est bien Renaud. Une fois de temps en temps. Bon allez, moi j'attaque ma soupe. Et puis après, au boulot. Non. Ah, merci. Oublié. Oh, mais je veux manger dans le calme, je lui dis de couper, enfin de mettre sa musique en sourdine et puis elle chante. Hein? Écoute le silence. Regarde, oublié. Écoute le silence comme c'est bien parfois le silence. Pour oublier, futur ni passé, y'a plus futur ni passé. Oh, j'ai rigolé. Y'a plus ni futur ni passé, y'a plus futur ni passé. En tout cas, les amis, poireau, petit marron, je sais pas si vous vous rappelez, patate, oignon, petit peu de crème, un petit peu de magie, une dinguerie. Je parle à mes petits niglots. Antisocial, quoi. Bah, tu veux pas que j'écoute la musique, car je... Ouais, bah, tu mets la musique à fond, on va manger, il y a le feu qui crépite, moi, ouais. Hein? Il me dit t'as pas ni pota, nada, nicht. Quoi? T'as pas ni pota, nada, nicht. Je sais pas quoi, tout au passé à l'étranger. Quoi? Les paiements à l'étranger. Et la pub. Hein? Hein? Attends, je vais les manger. Hein? Là, j'ai mis la pompe en route comme ça, vous, elle. Allez, les amis, il y en a un, il a eu chaud il y a 2 jours. Il hein? Honnêtement, elle a de la chance. Hein. Le blanc. J'étais devant, Shaina, elle m'appelle en hurlant. Il y a un poisson qui est tombé. Et il est tombé de là-bas, jusque par terre. En fait, il a sauté, elle a ouvert l'aquarium, il a sauté. Et bah, Shaina, encore vivant. Tu sais qu'on a compté avec Shaina, ça fait 1 an qu'on les a. Bah, c'est... Ils sont encore vivants. En général, ça dure pas longtemps, ces machins. Bah, tu vois, j'ai bien envie d'aller chercher l'eau. Ah, c'est bien, s'ils sont résistants pour aller au brochet, ça sera non. Bien. Non, tu vas en chercher des autres. Je rigole. Tu laisses licorne. C'est interdit. Tu laisses licorne et dinosaures. Oui, je crois que c'est interdit. Des choses. Enfin, quoique la nuit, ça va bien. Ouais, je le verrai s'il n'y a plus le poisson. Et tu te feras que tu le portes tes enfants. Bon, allez, je finis ma soupe moi, avec mes petites tartines de jambon et de beurre. Je peux rechanter? Ouais, tu peux rechanter, Steph. Non! On va chanter dans la chambre. Je veux du calme. Donc là, les amis, nous voilà début d'après-midi. Ça y est, on s'est mis en place avec Steph. Bon, ben, mettre en vente toutes les capsules que vous voyez là. Il y a tout là. Je peux vous dire qu'il y en a un paquet. Regardez-moi ça. Regardez. Plus le temps là-bas. Ouais. Donc, je crois qu'on en a 40. Je crois que c'est des plaques de 40, ça. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 fois 40, mes petits niglots. Allez, je vous écoute. Je vous attends. Vous avez une minute. Ça fait 17 fois 40. Ouais. C'est combien 17 fois 40? 10 fois 40, 400. Et 7 fois 40? 4 fois 7, 280. Ça fait qu'il y a 680 capsules là. Ah. Je t'écoute, ma petite Stéphanie. Hein? C'est toi l'intelligente de la famille. Chut. C'est toi qui prends les décisions intelligentes.
56, 38. 6, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 680. Bien, tu connais tes tables. Par contre. Quoi? Ah, tu veux pas les trier, mais. Je sais bien, il y en a qui ont de la valeur, mais. Ah, ben, il y en a rien qu'une. Et je sais qu'on l'a dedans. Je le sais. Elle est pas dedans. Si, on l'a. On l'a parce que je l'ai vu quand j'ai commencé à trier. Bah moi je veux bien parce que ouais, même dans cette plaque là, si vous voulez, je viens de regarder un peu. Mais attendez, attendez. Je crois. Attends, non, c'est pas cette plaque là. C'est celle-là. Bah rien que là, la capsule là, ça elle vaut quasi. J'ai vu qu'elle s'était vendue sur eBay quasi 10 euros. Une paire s'était vendue autour des 10 euros. Là, les trois plaques là, là, enfin les deux bandes là de plaques, je sais qu'il y a des sous là. Oui, mais ça n'a rien à voir, le bouquin. 92 au verso, 350 euros. C'est quoi ? 350 euros, la Barcelone 92 au verso. Mais on l'a pas. Ça, je sais pas. Mais ça, après, ça date de 2002. Ben oui. Mais je sais que j'ai... Non, mais moi, je me compare à Kibé, Steph, les livres comme ça, faut voir. Ça peut... Si ça a une valeur, je veux bien, mais faut que ça se vende aussi. Mais je sais qu'en regardant sur eBay, parce que les... Tout ce qui est capsule, comme ça, ça se vend super bien sur eBay. Il y a un... Comment ? Il y a un gros business là-dessus, hein, sur eBay, les amis. De tout ce qui est capsule de champagne. Et du coup, je sais que ça se vend... Comment en regardant avec Google Lens, eh ben, des fois, ça vous envoie sur des... Comment ben, ça vous envoie sur le... Quand vous prenez une capsule en photo, ben, parfois, ça peut vous montrer qu'elle s'est vendue sur eBay. Et du coup, moi, j'ai regardé une paire juste avant, là. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont de la valeur. Mais encore une fois, moi, je veux bien. Mais le problème, vous voyez... je me consacrerai qu'à ça. On se consacrerait qu'à ça. Voilà, celui qui veut se consacrer, qui aime bien faire les choses dans le détail, comme je dis souvent, vous voyez, c'est un peu dans tout. Je veux bien. Mais t'as vu tout ce qu'on a à mettre en vente ? Si là, demain, là, tu veux te mettre à mettre ça en vente. Non, je t'ai pas dit. Pièce par pièce ? Non, je t'ai pas dit pièce par pièce. Tu mets la même famille avec la même famille. Y'a rien qu'au talent, là. Eh ben, tu mets la même famille avec la même famille. C'est toi qui vois, ma petite Stéphanie. Moi, j'aurais mis chaque plaquette par chaque plaquette. J'aurais mis diviser le tol avant en deux. Hop, chaque plaquette aux enchères. Et mais là, il y a des plaquettes qui sont pas complètes que j'ai remplies avec d'autres. Donc, c'est pas de la même famille. Ouais. Mais regardez, même ceux-là, là. Rien que ceux-là, là. Ceux-là, j'avais regardé une fois, là. Vous voyez ? Toute la ligne. À part celle-là, je crois. Mais toute la ligne, là. Ça, je crois que c'est la même famille, ça. Et là, ça, c'est des capsules qui veulent des sous. Le coffret, là, il était à 40, 42. Oh, t'as envie de faire capsule par capsule, toi ? Fais comme tu veux. Oh non, si. On a des pipeurs. Des pipeurs. Bah, tu le fais, alors. Alors. Moi, c'est le genre de truc qui va me gonfler, moi. Mais c'est beau, hein, quand même. Moi, je trouve ça beau. Moi, j'aime bien ceux-là, moi. Elles sont où ? Ah, je vous montre, attendez. Ah bon. Ouais, moi, ça, c'est ma plaquette préférée, celle-là. Regardez. Pousse-toi, dis. T'as déjà pris un coup de petit journal des collectionneurs ? Regardez comme elles sont belles. Moi, je les kiffe, c'est un peu les vieux métiers, je crois. Là, on a les trucs un peu anciens, comme ça. Moi, je sais bien que... Honnêtement, tu vends tout au détail, là. Bah rien que là, je suis sûr que tu l'aurais déjà, tu les revends au moins 1 euro pièce, tu te dis déjà que tu récupères 680 euros. Et encore, je sais très bien qu'il y en a qui peuvent se vendre 5, 10, 15 fois plus cher, ouais. Certaines. 1,50 euro, c'est que tu as mis le prix derrière. Bah oui, c'est parce qu'il y en a, il y a des foires de ça, je crois, il y a des trucs de, comment ? Ah oui ! Oui, parce que pour ceux qui viennent d'arriver, en fait, sur la chaîne... Vous voyez, bah, comme vous avez su, ou qui sont arrivés récemment, bah, on fait beaucoup, comment ? Je fais la ferraille, je fais tout ça et tout ça. Et du coup, en débarrassant, bah, ça amène à des fois à récupérer des choses anciennes, des trucs comme ça de collection, plein de choses comme ça. Et ça, c'est pas d'un débarras, mais c'était mes parents qui ont acheté une nouvelle maison il y a l'année dernière. Il y avait un hangar au fond rempli de bazar, en fait. Et il y avait ça dedans. Du coup, en débarrassant un peu et tout avec eux, ben, j'avais récupéré ça, j'avais récupéré la collection de briquets, et puis plein de trucs, quoi, plein de trucs. Et du coup,
Ben, c'est tout. C'était juste pour dire ça. Et vu que moi, les... Moi, vous voyez, j'aime... Enfin, je trouve ça joli, mais j'ai pas envie de garder ça. Et moi, tu vois, c'est le genre de truc qui va me saouler de faire une capsule par une capsule. Vas-y, amuse-toi si tu veux. Tu veux t'amuser ? Hein ? Tu veux les mettre une par une ? J'ai pas dit les... Non, les mettre par famille. Bah, là, tu... mettons, là, t'as mercier. Merci, t'en as. Ah, merci. Là, je connais, moi, les merciers. Là, c'est que des merciers. De rien. Non, pas là. Là, c'est feuillante. Feuillate. Gars, merci, 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 merci. Ouais, de rien, tu de rien, de rien, de rien. Ensemble. Tous les feuillantes, tu les mets ensemble. Tout... Comme j'avais commencé à faire. Tu m'as dit non. Mais tu vas perdre du temps à mort. Mais si tu veux t'amuser, tu le fais toute seule. Oh, moi, c'est le truc qui va me prendre la tête. Moi, je t'aurais mis plaque par plaque, aux enchères, 10 euros de commencement. Et puis on voit si ça part ou pas. Plus vite c'est parti, moins de place ça prend, plus vite on peut restocker autre chose. Vous voyez, moi je suis un peu comme ça. J'aime bien que ça... C'est léger. J'en De toute façon, c'est ton business, ma grande. C'est toi la professionnelle de la vente dans le couple, lundi. Charpentier. Oh. Hein? C'est toi la professionnelle de la vente, ma petite Stéphanie. Troisième millénaire. Bon, je vais pas passer l'après-midi là-dessus. Il y a trop de couleurs, là, ça commence à me faire tilter les yeux. Bling, bling, bling. Mais t'approches pas trop, Yaméride. Ah oui. Même le... Même le comment la caméra l'a eu peur. Donc du coup les amis, finalement on va faire plaque par plaque. Steph, là, il est en train de trier tout ce qu'on a en vrac, enfin en train de les compter. Elle compte combien il y en a, puis ça, on va le diviser en plusieurs lots. Et puis, on va faire plusieurs lots aux enchères sur eBay. On va mettre aussi plaque par plaque aux enchères sur eBay. Et oui, parce qu'à un moment, il faut savoir aussi, les amis, dire qu'on ne peut pas tout faire. Vous voyez, nous, non, quand tout ce qu'on a dans l'ancienne maison à mettre en vente, qu'on a débarrassé il n'y a pas longtemps, tout à trier. Elle a encore plein de cartons et tout ça, de vêtements à trier pour mettre sur Vinted. J'ai encore tout dans le garage, j'ai encore tout à démonter devant. Il y a les vidéos, les montages et tout ça. À un moment, il faut savoir se dire qu'on ne peut pas tout faire, tout simplement. Et que en plus, vous voyez, c'est le genre de truc, nous, on n'y connaît pas grand-chose. Donc, pour beaucoup de capsules qui n'ont pas de précision et tout dessus, ça va être compliqué de mettre des titres, de savoir la provenance, de savoir l'année, de savoir tout ça, vous voyez. Et du coup, nous, on va mettre les plaques complètes, comme ça sera plus destiné à des gens qui, eux, revendent sur eBay à l'unité, parce que ça, vous en avez beaucoup, les amis. Et d'ailleurs, c'est des connaisseurs parmi vous, sur eBay, les capsules de champagne, même capsules de bière et tout ça, c'est un business qui fonctionne pas mal. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on va faire, plaque par plaque. Je vais faire un montant minimum, je vais regarder un peu parce qu'il y a quelques plaques où j'ai vu que il y a des capsules de lampe qui ont des belles petites valeurs, on va dire. Donc moi, je vais faire des prix de départ entre 10 et 30 euros par plaque, on va dire ça comme ça. Et puis on verra bien ce que ça donne aux enchères après. Et puis le reste qui est en vrac, on va faire des lots de... Bon, je ne sais pas combien leur raconter à la fin, on verra bien et puis c'est parti. Puis aussi le petit coffret qu'il y a là, puis voilà quoi. Allez, go! Regardez, celle-là, il brille. Donc là, les amis, nous revenons le soir. Ouais, parce qu'avec Steph, ça nous a pris quasi toute l'après-midi. Ça y est, on a tout mis. Donc, j'ai fait une annonce pour chaque plaque. Et puis pour une annonce pour le gros lot là en fait. Et puis pour une annonce pour le petit coffret là. Voilà. En tout, Steph, on a compté avec dans les plaques, il y a... Attendez.
Ouais. Il y a... Hein? Ouais, il y a 680 capsules. Donc ouais, c'est des plaques de 40, il y en a 17. Et là, dans le tala, elle les a toutes comptées, il y en a 841. Donc ouais, ça fait à peu près... Ça fait à peu près 1500, ça. Donc, il n'y a qu'une plaque que j'ai pas mis. Parce que... Elle est où? Elle est où la plaque que j'ai pas mis? Elle est là. Ouais, elle a pris l'humidité et tout ça. Et à mon avis, comment? Ouais, il y a plein, les capsules sont plein de rouille, ça a pris l'humidité et tout ça. Et à mon avis, je le mettrai en cadeau avec une des plaques ou avec le gros lot, à la rigueur. Vous voyez, j'ai même un livre là, de comment? Pour les cotes de 2000, pour les cotes des capsules de. Quelle année c'est ça? 2002. Et du coup, à mon avis, la plaque là, puis le livre, je le mettrai en cadeau avec le gros lot. Et ça, les amis, les gens en général, ils aiment bien quand vous laissez un petit truc en plus et tout ça. Vous voyez que vous mettez un petit truc en plus. Oui, comme moi là, je vais pas vendre ça. Vous voyez, la plaque, elle est toute moisie. Enfin, elle est toute noircie et tout ça. Et les capsules sont assez bien rouillées. À mon avis, c'est une plaque qui a pris l'humidité. L'ivre, il est assez corné sous les bords et tout ça. Donc, ça fera un petit cadeau en plus pour celui qui remportera l'enchère du gros lot de capsules là. Donc, APK, ça c'est fait, les amis. Donc, ouais, chaque plaque, je l'ai mis en moyenne en prix. J'ai mis tout aux enchères, les amis. Après, pour ceux qui savent pas comment on fait pour les enchères, si ça vous dit, dites-moi dans les commentaires si vous voulez vraiment que je vous fasse une vidéo. Ouais, moi ça me dérange pas, il n'y a pas de souci. Mais en gros, si vous vous rappelez la vidéo que j'avais fait, comment mettre une annonce sur eBay, c'est simple, au moment... Comment? Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est des vidéos en arrière. Je vous la mettrai aussi dans la description, autrement. Et du coup, à la place de mettre achat immédiat, vous sélectionnez enchère, et puis vous mettez le prix de départ que vous souhaitez mettre. Après, vous avez des petites options si vous voulez faire... Si vous voulez accepter les offres. Et du coup, moi, j'ai mis l'option enchère sur 10 jours. Et j'ai quand même sélectionné pour pouvoir avoir des offres. Et en minimum d'offres, j'ai mis 300, je crois, pour le lot. Et du coup, ça laisse une option si quelqu'un est vraiment intéressé par le lot et qui souhaite pas attendre les enchères et puis qui souhaite me faire une offre dans ces... Qui souhaite nous faire une offre dans ces prix-là. Et voilà quoi, ça lui laissera l'option. Donc APK, ouais, comme je dis, nous avec tout ce qu'on a déjà encore à vendre dans l'autre maison, les amis, tout ce qui nous reste là, vous voyez, elle a déjà de quoi faire à mettre en vente avec tout ce qu'on a récupéré il n'y a pas longtemps. Donc plein de choses à mettre de ce qu'on avait récupéré jusqu'à maintenant, il y a longtemps, nos affaires, plein d'affaires qu'on a, qu'on doit vendre, plein de trucs. Oh, je lui ai dit, t'embête pas à faire ça une par une, on n'en sortira jamais, vous voyez. Et on aurait que ça pour lancer un petit compte eBay, pour commencer à faire des petits sous et tout ça. Là, oui, vous voyez. D'ailleurs, si vous avez qu'un petit stock comme ça de petites bricoles, après je parle capsule, ça peut être plein de choses, hein, les amis. Oui, là, commencez petit à petit en mettant tout à l'unité. Mais nous, les amis, comme vous avez pu voir et comme vous voyez dans les vidéos, moi, je récupère régulièrement des choses, on a pas mal de stocks. Donc je lui ai dit, ça sert à rien de t'embêter avec ça. Puis avec les vidéos, moi avec les vidéos à côté, le démontage, la ferraille, bref quoi, voilà. Donc voilà, une bonne chose de faite. Et du coup, regardez ma petite compote. Bon, j'ai mixé, j'ai fait de la mousseline de pommes en gros, et puis de bananes et kiwi. Ouais, parce que c'était pas des pommes à compote, et du coup elles avaient du mal à se réduire en bouillie, en fait, elle restait en bloc. Et puis moi, quand c'est ça, en général, je la mixe. Comme ça, les petits, ils aiment mieux quand elle est mixée. Ça fait de la mousseline. Ou avec ça, ça peut aussi servir pour faire des fonds de tarte, vous voyez. Si vous voulez faire des tartes aux pommes, vous mettez ça dans le fond, des pommes en tranches. Et puis ça, c'est une dinguerie. Ça vient me faire penser que j'en ai une, je vais lui donner l'idée, tiens. Eh ? Moi, je mangerais bien une tarte aux pommes demain. De quoi? Non, je t'ai douté de celle-là. Ah oui?
Ah ouais, j'ai pas pensé en plus, je suis en train de donner l'idée au petit Niglo, puis moi j'y pense même pas. Super pâtissière à la maison, j'y pense même pas. Oui. Ah bon, je vais avoir ma petite tarte aux pommes. Donc à PK. Ouais, bon, si tu veux me faire ma tarte aux pommes, non de juice. Hein? D'accord. Ah bah ce soir, pas de frites. Pas de... Ah oui, c'est vrai que toi, les frites, t'aimes pas. C'est ribs de frites, ce soir. Les petits ribs de la récup, les amis. En ce moment, c'est récup. On mange récup, récup. Et de toute façon, je vais y retourner, à mon avis, demain. Oh. C'est marrant, ça. Regardez. Il y en a des toutes petites. Des toutes petites, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes, et vous en avez quelques-unes de grosses. Moi, j'y connais rien dans le champagne, les amis. Et pourtant, j'ai mis ton champagne Ardennes, mais j'y connais rien. Et à mon avis, oui, c'est par rapport à la taille de la bouteille, je pense. C'est ça, Steph? C'est par rapport à... Les toutes petites, là, comme ça, là, il y en a quelques-unes que j'ai vues. Là, attends, regardez. Par exemple, vous voyez la différence? Moi, je sais pas si on voit la caméra. Celle-là, elle est un peu plus petite. Et j'en ai eu quelques grosses. Oui, c'est des magnums ou je sais pas quoi. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Et... Ah oui, on a une paire de belles. Une que j'ai bien aimée, moi. C'est que celle-là... Stéphanie, elle aime bien celle-là. Elle dit qu'il ressemble à Dieu donné, celui-là. Moi, je trouve qu'il ressemble à lui de finesse, moi. Hein? Bah, je sais pas, on croit. Ça fait un peu comme la tête à l'huile de finesse, mais en un peu plus gros. Je sais pas si vous voyez. Oh, là, on a des belles. Ah, maintenant, on a une autre petite. Vous voyez? Encore une là. La même taille que celle-là. On a même l'impression qu'elle est encore plus petite. C'est marrant. Bah, vraiment. Bah c'est des... comment? Je trouve ça assez beau quand même, moi. C'est marrant, ceux qui collectionnent ça. Ça doit... ouais. Sang. Ah non. Ah, j'en ai vu une tout à l'heure qui m'a bien plu. Ah, je la trouve plus. Je la trouve plus. Ah, mes préférés, ça reste là. Avec les vieux métiers là. Celles-là, elles sont belles, je trouve. Vous voyez les vieilles photos d'époque et tout ça. C'est celles-là que je trouve les plus belles. Moi. Vous avez aussi ceux-là, la tireuse. Oh, le reste après, je connais pas. Qu'est-ce que tu fais, petit schnappant là-bas? Rien. On va bientôt manger, je vais mettre les ribs dans le four. Maman, elle va faire les frites. Et vous voyez, les amis, honnêtement, bah, je suis plus crevé de rester assis à prendre les photos parce que Steph mettait les étiquettes. Moi, je prenais les photos, elles vont faisait les annonces et tout ça. Mais vous voyez ça, bah, c'est comment je... C'est pour ça que j'ai préféré que ça soit elle qui se mette en auto-entreprise là-dedans parce que moi, c'est un truc... Papa, comment dire, démonté. Appuie-toi. Non, 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 mange pas de chocolat maintenant, mon gars. Non. Non, on va manger des frites. Oh. Et vous voyez, j'ai préféré que ça soit elle, parce qu'elle, c'est plus son truc. À Steph, elle est plus bah, tranquille, elle se pose, voilà, elle fait ses photos, nanana. Elle fait la, comment, les petites annonces. Bon, je lui donne un coup de main, normal. Mais vous voyez, moi, je préfère autant aller démonter des trucs, faire aller, comment, être à l'extérieur, aller... Bon, elle est un peu chinée de la ferraille, elle en cherchait quand on m'en donne, des trucs comme ça, bricoler dehors, machin et tout, on va dire. Parce que là, ouais, je suis resté toute l'après-midi avec elle et tout. Et honnêtement, bah, je suis encore plus crevé que si j'avais été dehors bricoler, ou à droite à gauche chercher des trucs, ou aller bosser, franchement. Puis c'est long, c'est long. Donc ça, après, c'est chacun son truc. C'est pour ça que je lui ai dit, si tu les fais, comment? Si tu les fais une par une, bah par contre, là, tu m'oublies, ma grande.
Qu'est-ce qu'elles font, Miguel? Et moi pas. Tu danses pas, toi? Tu danses bien? Non, moi j'ai fait de la danse. Ben je parle à maman, mais tu danses bien aussi. Non mais Nanette, c'est vite, tu danses bien aussi. Parce qu'il y avait des... Maman, maintenant on peut faire le lac. Bon allez, on fait des frites. Ah. Non. Je range mon bazar. Quoi? On va se régaler. Frites, ribs de... Je suis en train de faire des congés auprès du feu. Non, parfait. Petite sauce au camembert. Et ça va être une dinguerie, mes petits niglots. Stéphanie, t'as encore oublié mon feu, là. Ouais, c'est toi, depuis tout à l'heure, moi, je suis concentré, là. Elle, les amis, le feu avec elle, je le rallume au moins 5 fois par jour. Non, c'est pas vrai. Si, 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 non, si. Non. Si je fais pas attention, elle... Hein? Non. Ouais. 5 fois par jour. Aujourd'hui, ça fait déjà 3 fois, je crois. La grande, là. Oui, ça fait 3 fois que je le rallume. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vas voir les bêtises de Dieu. Paf. Allez. Arrête les conneries. Gardez-moi ça, le petit festin de roi qu'on vient de se faire. Bah, quasi que récup. Gardez-moi ça. Petite sauce au camembert. Aïe. Échalote. Persil. Bah, à part le huit camembert, non. Petit ribs de la récup. Les petites frites. Maman, avec les patates de la récup. Elle est très impeccable. Elle est bonne. Bon, bah c'est tout, les amis. On va finir la vidéo là-dessus, je pense. Alors. Hein? Je suis désolé, mais je prends. Mange. Donc, si la petite vidéo vous a plu, hein, comme d'habitude. Mettez un pouce bleu et à vous abonner. Voilà. Nous, on vous dit à bientôt. Allez, tantôt, hein, dites-vous.